J'ai une force. Nous avons maniaque, ouais. Ça va, ouais. Là, c'est pas... Maniaque. Boum. C'est un projet folk rock blues qu'on a créé il y a 6 ans à peu près. Moi je m'appelle Gunnar, je suis la guitariste et chanteur. Ouais, moi c'est David, je suis le batteur. Moi c'est Jeff, je tiens la basse. Et ben le blues c'est tout simplement ce qui a donné naissance au rock. Et donc forcément, c'est aujourd'hui si on fait du rock, on n'a pas le droit de ne pas avoir fait du blues avant ça. Et donc forcément on est influencé par ça. On a plein d'autres styles qui sont venus se mélanger à tout ça. On a des influences de folk irlandais, de folk américain, de grunge. Ça s'inscrit aussi un petit peu dans la lignée peut-être des Black Keys ou des groupes comme ça qui revisitent un peu le blues à leur manière. Donc voilà, donc évidemment le blues en fait partie. Traveling Sessions, en fait, c'était au départ des sessions live vidéo avec des invités. Donc, on en a heureusement quelques-uns avec nous, La Chica et Ben Uncle Soul. Voilà, donc tout ça, c'est parti d'une envie de réinterpréter nos morceaux avec d'autres influences en plus. Et donc, voilà, donc on a fait le titre Swimming avec La Chica, avec du piano et sa voix en plus. Et avec Ben Uncle Soul, on a fait le titre More. Donc, c'est un beau projet qui est sorti le 25 janvier. Alors, on a mis une annonce sur Tinder et ils ont répondu, ça a matché. Ça, c'était avec Ben. Ça, c'était avec Ben. Tinder. Voilà. Voilà. Et, avec La Chica, c'était Adopte un mec. Voilà, un autre réseau. Voilà. J'étais la première à répondre, du coup, bah, on l'a fait. Youk, ça s'est fait naturellement parce qu'on avait fait sa première partie quelques années avant. Et que donc il y avait un link et que on cherchait un crooner pour amener un autre regard sur un de nos titres. Après, la soul est une de nos influences. Qui représente mieux la soul en France que Ben et qui a une voix de ouf. Sophie, on la croise avec son projet La Chica par hasard, grâce à Hugh Coltman à RFI. On prend une claque sur un titre qu'elle interprète avec lui en direct. Et donc voilà, pareil, gentiment. La curiosité, le timing, on essaie de pas leur prendre trop la tête et puis qu'il se passe quelque chose quoi au moment de ces traveling sessions. En fait, chaque rencontre était vraiment différente. Avec La Chica, par exemple, on a vraiment déconstruit le titre sur place. Le matin, on savait pas ce que ça allait donner le soir même. Voilà, on a passé 2 heures à bon bah si on enlève ça, si on remet ça et puis. Et on est super content du résultat quoi. Enfin, du coup, et chaque collaboration était différente à ce niveau-là quoi. Avec Ben, on était parti au début, bah tiens, t'as qu'à prendre le deuxième titre. Et puis en fait, il a apporté par lui-même plein de choses au morceau. T'es en Savoie une fois. C'était pas. Oui, on a joué en Hongrie. L'été dernier, là cet été on va aux États-Unis, on retourne en Hongrie pour le Ziget, et puis on va essayer d'aller prendre la température sur la fin de tournée, peut-être en Angleterre, en Allemagne, c'est ça qu'on voudrait faire. En vrai, il n'y a pas de règles parce qu'on l'a pas beaucoup fait pour l'instant, donc tu vois, ce soir Ben nous fait la métier de venir à la mode Servalex, et c'est trop cool, et donc on va faire 2 titres avec lui ce soir. Avec La Chica, on partage le plateau ce soir, on aura l'occasion de le refaire au Trianon et au Trianon on fera des titres ensemble. Donc il n'y a pas vraiment de règles si tu veux pour l'instant autour de ces invitations qui sont un événement à chaque fois quoi, donc on le prend comme ça. Il y a l'artiste Pharao qui a déjà sorti son album il y a quelques années mais qui est une des artistes vraiment très prenante, qui a fait un très joli mélange de folk et de musique un peu électro et qui me parle beaucoup. Anderson Paak. Et si le ouais, titre que t'as sorti... Tedeschi and Trucks là, que Gunnar m'a fait, mon poteau, m'a fait découvrir. C'est un duo plutôt blues rock quoi.
Moi, j'écoute Nick Hakim en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez. J'adore ce gars. Nick Hakim. Très beau. Moi, j'écoute Supertramp en ce moment. J'adore.